Bonjour à tous et bienvenue! Moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine et on se retrouve pour une nouvelle vidéo vlog. Donc je vous emmène avec moi pendant toute la semaine pour vous montrer mes tricots petit à petit. Bienvenue à vous si c'est la première fois que vous arrivez ici. À chaque fois, chaque semaine il y a de, des petits nouveaux, des nouveaux abonnés, tout ça. Donc, euh, donc, un gre donc bienvenue à vous, puis un grand merci à tous ceux qui restent euh, de vidéo en vidéo, de semaine en semaine. Euh, voilà, ça me touche toujours autant. Alors, en on ce se, on se lundi, on va faire un petit peu le point sur ce que j'ai tricoté cette semaine, sur ce que j'ai pu recevoir euh, également durant le week-end. Week en ce moment, j'en ai profité pour filmer la vidéo sur mon gilet Fade It Brioche. Au moment vous voyez cette vidéo-là, la vidéo du gilet, elle est déjà parue sur ma, sur ma chaîne. Je vais vous reparler d'un modèle qui va sortir cette semaine et dont vous aurez certainement la vidéo focus la semaine suivante. Euh, voilà. Plein de choses en ce début de semaine. Je vais commencer par par ce que j'ai reçu. Allez hop La magie du montage, j'arrive en ce début de vidéo pour vous dire que je vous parle du châle du mcal Géogradian de Steven West à la fin de la vidéo. Au début je l'avais euh, incorporé un peu des morceaux en cours de vidéo. Finalement j'ai décidé de tout regrouper au bout. Je vous laisse euh, découvrir mon avis là-bas sur... Ce modèle-là sur ce premier indice qui a fait beaucoup polémique. Donc voilà, si vous ne voulez pas voir du tout, si vous ne voulez pas parce que euh, dû à la polémique ou parce que vous ne pouvez pas être vous ne voulez pas être spoilé euh, de la suite, vous n'êtes pas obligé euh, de vous vous, vous pourrez euh, quitter la vidéo juste avant cette partie-là. Derrière après il y aura rien d'autre, ne vous inquiétez pas, vous ne raterez rien. Voilà et je vous laisse avec la suite de la vidéo et bon visionnage. J'ai reçu une commande de chez Tricot Stitch cette année. J'ai fait le choix de, je l'ai fait les trois premiers trimestres. Je pense que je vais le faire ce dernier trimestre aussi. J'ai pris, elle euh, proposait de précommander à chaque fois son coloris du mois, l'almanac. Alors je doutais déjà la semaine dernière, je crois, l'almanach de la tricoteuse ou de la chaussette. Bref, chaque mois, elle sort un coloris spécial. Au début, c'était pour faire des chaussettes. Elle proposait à chaque mois un modèle de chaussettes. Et enfin bref, donc là cette année elle proposait on pouvait précommander, donc on précommandait, par exemple j'avais précommandé en janvier les coloris de janvier, février, mars. Et donc courant avril, courant mars, avril, j'avais reçu les trois échafauds. Donc on ne sait pas ce qu'on va avoir, c'est toujours surprise. Et donc là j'ai reçu les trois derniers, c'était donc juillet, août, septembre. On les a reçus un petit peu tard cette année, mais bon, ce trimestre aussi, mais c'est pas grave. Et normalement, je pense que là, bientôt, elle devrait lancer la précommande pour les derniers, les trois derniers mois de l'année. Alors, je vous montre le premier coloris reçu. C'était son coloris du mois de juillet, si je ne dis pas de bêtises. Donc, tricot et stitch, c'est le coloris pique-nique. Alors, je les ai pris tous les trois en extra fine fingering, 85% merino superwash et 15% nylon. Ah oui, c'est dans mon Steven West que j'ai tricoté un hein, coloris de l'année. C'est pour ça que je vous en avais parlé la semaine dernière. Donc voilà. Alors, c'est pas mes couleurs, le rouge. Mais j'avoue que j'aime tellement son travail de teinture, de sa manière de travailler les couleurs, que j'aime beaucoup cet écheveau-là. Même si je sais pas ce que je vais en faire. Dans le pire des cas, ça peut toujours finir dans des chaussettes, puisque j'ai pris euh, avec du nylon. Le deuxième coloris, ça l'a appelé Pref de Pref. Et le voici. Je suis fan la du orange, c'est trop beau ces nuances-là. Il y a du jeune fluo. Il y a euh, des speckles bleu foncé, gris. Il y a des zones grises aussi. J'ai une petite idée de celui-ci. Il faut que je regarde un peu dans mon stock de laine. Euh, J'ai une idée avec lequel associer. Mais à voir. Mais voilà, pref de pref, qui devait être celui du mois d'août. Ou alors c'était inversement peut-être. Manon. Oui, ou c'était inversement avec le pique-nique, peut-être que pique-nique c'était mois d'août et pref de pref en, en juillet, je me souviens plus. Et le dernier, son dernier coloris euh, sorti, celui-ci il est trop beau, au long châtaigne. Alors là on est totalement dans mes couleurs. Et lui il attendra euh, le jacquard idéal. J'aime beaucoup, beaucoup. Il est vraiment très beau. Tellement de saison. Ah là là. D'ailleurs j'attends de voir quel est le coloris qu'elle va sortir pour le mois d'octobre. Enfin voilà. Donc c'est les trois nouveaux échevaux qui sont rentrés dans le stash de chez Tricot et Stitch qui sera présente au J'ti bazar. Voilà, ça c'était pour les petites réceptions de la semaine. Niveau tricot. On va commencer par les chaussettes. Je, fais, je tricote en ce moment le modèle Fais-moi peur de Ourdin. Et je vous montre mon début. Deux chaussettes. Oh, c'est beau. Voilà ce que j'ai fait. Alors, je vous avais... Mon quitté, j'avais fait la... La première section avec les fantômes. Et j'ai poursuivi en faisant avec les... En faisant les têtes de mort. Donc c'est vraiment la grille numéro 3 dans son patron. Parce qu'il y a 3 grilles différentes. Avec euh, au total 6 motifs différents, si je dis pas de bêtises. Là et là, ça à chaque fois c'est des motifs différents. Donc ça nous fait qu'on peut vraiment modifier, par exemple prendre un motif de la grille 2 et un motif de la grille 3 si on veut. ça, donne, ça offre beaucoup beaucoup de possibilités. Mais là vraiment moi j'ai fait la grille numéro 3. Alors, par contre je n'ai pas respecté les couleurs de sa grille. J'ai fait avec ce que moi j'avais envie. J'ai fait les fantômes et les têtes de mort de la même couleur et j'ai utilisé mon noir pour le... Le fond là du jacquard des têtes de mort. Et tout le reste de ma chaussette va être tricoté en violet parce que moi, je n'ai. C'est un kit à chaussettes de chez Pauline Bulbizarre. Il y avait un écheveau de 100 grammes, c'est son coloré. et c'est le kit manoir hanté. Et deux minutes de 20 grammes. Et donc je, avec les, je peux pas faire mes rayures, je pense, avec mes mini de 20 grammes, j'aurais pas assez de laine. Les cendres conseillent d'avoir 50 grammes de chaque couleur. Donc c'est pas grave. Je pense que je vais faire, en fait je ne savais pas du tout la quantité que ça allait faire donc c'est pour ça que j'avais fait mes cotes avec mon coloris principal mais je pense que je ferai mes pointes euh, certainement en noir parce que j'ai l'impression que c'est ce que je vais utiliser le moins peut-être que le talon je le ferai avec une couleur contrastante, euh, je vais voir et la seule chose c'est qu'ici elle fait, en fait lissante nous fait commencer les rayures, chose que moi j'ai pas fait j'ai refait vraiment le même motif qu'ici pour que ça soit symétrique comme moi je ne fais pas du tout de rayures donc voilà, je vous avais dit, moi ce week-end je voulais finir le jacquard, bah c'est chose faite. Je vais tricoter quelques rangs, faire le talon comme préconisé dans le patron et puis dérouler tout mon pied. Et voilà, donc l'objectif de la semaine, ça serait bien de finir la chaussette. J'en suis vraiment pas sûre d'y arriver. Je crois qu'en fait on a un week-end tellement chargé que je crois qu'il faut. Dans l'objectif, ça va être de passer le talon et garder le pied de la chaussette pour mon week-end chargé. Ça, ça me paraît pas mal. Ça sera plus accessible second en second en cours sur mes aiguilles le col que je tricote pour mon chéri tout en brioche je vous l'avais dit je n'allais pas le tricoter durant, les, durant le week-end je ne l'ai pas tricoté durant le week-end il en est toujours au même stade que je vous l'ai montré dans le vlog précédent voilà Donc je tricote avec des laines de chez arco irisienne qu'on a acheté récemment elle est venue faire une vente éphémère chez Justine, une tasse de filet d'aiguille. Donc ici on a le coloris Patronus, non Dragono et ici on a le coloris Patronus. Ça va être vraiment chouette. Alors je vous disais, c'est vraiment un patron vraiment très simple, la brioche elle se fait en rond, c'est vraiment très très facile, mais il n'y a pas de tuto brioche dans ce patron là. C'est juste... Euh, il n'y a pas de vidéo, il n'y a rien. On fait le... c'est bien expliqué. Mais euh, si vous avez besoin de... si vous avez besoin d'un... de tu, d un, d vidéo, tout ça, pour euh, peut-être vous familiariser avec le point, bah, ce patron-là, il n'y en a pas. Et c'est là que c'est la magie de, de la communauté tricot. Vous avez été nombreuses à me proposer des... à me conseiller des patrons. Et j'en ai pris note justement pour vous les partager. Pour toutes les personnes qui ne se sont encore jamais lancées dans la brioche, je vais vous les citer là. Euh, je pense que je vais essayer de mettre une image en même temps que je vous le dis et je vous mettrai les liens en dessous de la vidéo. Je ne vous ai même pas dit au départ euh, tout le blabla habituel, vous me trouvez sur Instagram, euh, tant pis, vous avez l'habitude. Alors, il y a euh, de Maurice c'est le brioche beginner. Je ne sais pas si c'est un... ce que c'est comme euh, tricot, comme ouvrage. Vous le voyez certainement en photo au moment où je vous parle. Euh, qui est apparemment bien expliqué pour ça. Le briochette de NCN qui doit être un châle où les sections de. Comment on avait ça Les sections de brioche sont vraiment des rectangles où il n'y a rien, il n'y a pas d'augmentation, de, de diminution. Ça va être un patron qui va être en français. Bah, marie 7 c'est aussi, je pense que ça va être un patron en français, il n'y a pas de souci. Après, chez Claude Tricot, on m'a dit qu'il y avait pas mal de vidéos euh, où justement elle explique très bien le point brioche. La, le col en yak de la maison tricotée aussi est apparemment très adapté pour débuter la brioche. Morissette Cécile, si je me souviens, on m'a dit qu'il y avait des petites vidéos, des réels euh, pour, apprendre, pour apprendre le point. Je re, ça me revient en tête. Et enfin de Tricot et Stitch, le brioche queen, où il y a également des vidéos tuto dans le patron. Donc voilà, avec tout ça, vous pouvez vous lancer dans, apparemment dans l'un de ces projets-là, ça ira très bien, vous pourrez apprendre très bien la brioche et après vous saurez le faire. Alors revenons à mon petit col, l'objectif de la semaine c'est de finir euh, la partie où on fait que des... que de la brioche là, en, en rond, euh, sans rien du tout. Alors, on m'a dit euh, la brioche, on dirait des cotes anglaises. Alors oui, ça ressemble à des cotes anglaises, mais c'est pas la même chose que des côtes anglaises. Voilà, c'est tout ce que c'est pas exactement le même point. Ça y ressemble beaucoup, mais ce n'est pas la même chose. Donc voilà, mon objectif, ça va être de, de finir cette partie-là. Il me reste encore quand même un, un bon morceau à tricoter avant de commencer. Il euh, y a une sorte de motif là pour que la où on intègre du point mousse et où la brioche forme un triangle sur le devant. Voilà, quand j'y serai, je vous, en re, je vous le montrerai. Mais l'objectif de cette semaine, bah, c'est d'avancer dessus, euh, de passer au moins cette première étape du col. Et enfin, le dernier ouvrage euh, que je vais vous parler euh, sur mes aiguilles, que je vais vous parler aujourd'hui, c'est le fameux. Ah non, je vais vous en parler après, comme ça vous pourrez passer. Je vais vous parler du Steven West après. Mais avant ça, je vais vous parler de ce que je vais bobiner et monter cette semaine. Je vous en avais parlé la semaine dernière, j'ai reçu ces petites beautés de chez Teinture Lurée, Audrey. C'est sa base BFL. Euh, soie mûrier et cachemire c'est vraiment très très doux pour faire un test pour laetitia même les anges tricotes et je vous avais même pas dit mais dans les colis de chez Audrey quand on passe commande il y a un petit paquet comme ça il y a un petit, il y a un petit sticker c'est trop mignon le lama il y a des petits bonbons dieux chez nous du nord et elle met hop également on a des petits bloqueurs de ronds. On peut en cadeau dans le colis. Donc voilà, c'est ce qui était glissé entre mes échevaux. Donc je vais bobiner cette petite merveille-là pour faire un échantillon. Euh, moi je fais quand même très souvent des échantillons. Là, il s'agit d'un test. Alors ça reste de la fingering. Fingering 400 mètres pour 100 grammes. Mais j'ai vraiment jamais tricoté une... Une, une laine avec une composition comme celle là donc je prendrai vraiment pas le risque je vais faire l'échantillon et puis je vais commencer le test pour euh, Laetitia il s'agit du pull coffee donc qui va arriver sur mes aiguilles faut que je le commence cette semaine voilà donc ça c'est ce que je vais faire euh, certainement aujourd'hui le bobinet et faire mon échantillon parce qu'il faut quand même que euh, je le lave qu'il sèche et puis après je me lancerai you mm -hmm. Je vous retrouve avec aujourd'hui le Frisky frisky lifty de Gilles Carina. Vous l'avez quand même beaucoup vu, si vous suivez mes vlogs en ce moment, vous le voyez assez régulièrement que j'ai tricoté en BioBalance de BC Garden, qui est très oversize chez moi. Mais ça fait que ben, pour maintenant, il est vachement bien en fait. Au matin, il fait frais, l'après-midi, il fait chaud, il est juste bien pour cette période-là. Je vais venir vous parler d'un ouvrage qui est sorti, qui sort cette semaine. Ah, pour vous qui est sorti, pour moi qui sort demain, <laughs> c'est un peu compliqué. Le modèle euh, alors Home Before Dark de NCM de Nadia Criteration que j'ai eu la chance de tester il n'y a pas longtemps, je sais plus quand. Je l'ai testé euh, août-septembre, fin août, courant septembre, quoi, quelque chose comme ça. Voilà, je vous le montre, ça y est, ça y est, hop, 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 hop. Alors c'est un pull, euh, il aura sa vidéo dédiée je pense la semaine prochaine mais là je vous en parle rapidement. Donc c'est un pull qu'on tricote en épaisseur DK. chez moi c'est un fil de fingering avec un fil de mohair tenu ensemble et il a la particularité d'avoir des rayures dans les côtes partout donc le col, les manches, le bas du corps et il y a deux versions dans le patron. il y a une version où le tout le reste est uni et une version où il y a des larges rayures. Il a été inspiré par un pull ou un gilet que Nadia a vu dans la série du même nom. Euh, D'ailleurs elle avait partagé sur Instagram euh, une, vidéo, une photo du pull dans la série et, euh, et donc elle en a créé ce modèle là. Moi j'ai choisi la version uni parce que c'est ce que j'avais en stock. Euh, je l'ai tricoté avec la base Dobby, je pense, de chez Arco Iris, euh, dans son coloris Fourche Langue. Le Mohair, c'est du Mohair de chez. Oh, de chez. C'est du le Lace de chez Languerne que j'avais acheté à ma petite mercerie, une tasse de fil et d'aiguille. Donc voilà, les deux tenues ensemble. Et pour le rose, ce sont des restes. Euh, le Mohair. C'est du mohair euh, luxe de langue, c'est un reste d'un bonnet que je me suis fait et les la fingering, c'est le reste de Heidi Heidi que j'ai utilisé pour mon pull Lorette. Donc voilà. Et moi je l'aime beaucoup. je pense qu'en ce moment, je me tourne vraiment sur des choses qui sont qui vont faire des basiques, des choses assez unies en couleur pour que pour ma garde-robe, parce que j'ai assez de choses colorées, tout ça, et que des basiques, ben, c'est peut-être ce qui commence à manquer dans ma garde-robe, donc je suis vraiment contente parce que j'aime beaucoup. Ça fait un petit côté euh, sweet. Euh... Ouais, j'aime bien, j'aime beaucoup ces rayures. Donc je vais vous montrer rapidement ce que ça donne portée. Et avec les températures qu'on a, je vais mourir de chaud avec, mais c'est pas grave. Donc voilà ce que ça donne portée. Oh, j'aime beaucoup. C'est super doux, c'est très très doux, très agréable. Euh, on a vraiment, vous voyez, des larges, une large bande de côtes à, au niveau des poignées, j'aime beaucoup. Alors, c'est juste embêtant parce que moi j'ai toujours mes petits bracelets là qui font de l'épaisseur. Hop Et au niveau de la longueur, vous voyez, j'ai respecté ce que Nadia préconisait dans le patron et moi ça me convient super bien, j'aime beaucoup. Voilà. Au niveau de la taille, là de mémoire, je ne sais plus, dans ma fiche Ravelry, ça va être indiqué. J'ai fait une taille inférieure à ce que je faisais avant parce que j'ai perdu plusieurs kilos ces derniers mois. Et je me suis enfin décidée à descendre d'une taille pour que mes tricots me maillent mieux. Mais voilà. Voilà ce que ça donne le Home, sweet, home Before Dark. Il est d'une douceur. Oh, c'est incroyable. Il va être vraiment euh, doudou, Très agréable à porter cet hiver. C'est le mohair. Donc euh, c'est le lace de Languillard. Euh, je l'ai encore jamais porté. Non c'est... Alors j'ai tricoté. Assise dans mon... Euh, Lace and fake Boxy de chez Rory Locatelli, mais comme c'est un truc très large, très boxy, il ne me colle pas, comme je ne le ressens pas. Et là, ouais, de l'avoir à même la peau, c'est vraiment très très agréable. Voilà, c'est la nouvelle sortie que vous pouvez donc trouver sur la boutique de Nadia. Et je vous reparlerai en détail de sa construction dans sa petite vidéo dédiée. Si vous aviez suivi mes blogs courant septembre, vous l'aviez vu en cours de tricot. Moi, ouais, je l'aime beaucoup. Je vais remettre mon top parce que par contre, il fait beaucoup trop chaud pour le garder. Voilà, ça c'était pour euh, la petite sortie euh, de, euh, de la semaine. Et puis qu'à attendre l'hiver patiemment pour le porter. Euh, J'en suis vraiment contente, c'est doux, c'est vraiment très très doux. Enfin, je crois que je ne l'avais pas retouché depuis que je l'avais lavé tout ça et oh, il est vraiment très agréable. Ah bah si, je l'avais mis pour faire des photos. Bon, enfin bref, voilà. Ensuite, j'ai fait mon échantillon. Avec la base BFL Cachemire Soie de teinture urée. J'aime beaucoup le rendu, la couleur. C'est une couleur semi-solide, comme on dit. Il y a des légères nuances, vous voyez. Et j'aime beaucoup. Ouais, ça me fera un pull bien basique aussi. Donc maintenant, il faut que je commence euh, le pull pour euh, Laetitia, même les anges tricotes. <laughs> J'ai eu. Vous avez pu le voir dans les images avant, j'ai eu du mal à... ce coup, je cherchais mes aiguilles, il me fallait des 3,5 pour faire mon échantillon, et je cherchais partout, et je ne trouvais pas. <laughs> je me suis dit, c'est bizarre, donc j'avais une paire qui était euh, qui est sur mon... le MKL de Steven West, et j'avais une autre paire d'aiguilles, euh, numéro où j'avais besoin, je savais qu'elle était quelque part, mais impossible de remettre la main dessus. Et en fait, si c'était pour le pull que je teste en ce moment pour Nadia, le Isild, e euh, j'avais l'encolure à, à faire et, mes... et j'avais commencé, donc euh, les aiguilles étaient dessus. Donc j'ai dû finir mon encolure pour récupérer mes aiguilles pour pouvoir faire mon échantillon. Mais sur le coup je ne les retrouvais pas, je savais plus du tout je les avais mis. Pourtant je suis ça pour ça je fais attention à mes aiguilles, je les range bien pour éviter de les perdre. Et là c'est vrai que sur le coup euh, j'avais complètement oublié ce... que mon encolure n'était pas finie. Parce que je me suis dit, ben non je suis sur les manches, donc je suis sur mes mini circulaires, j'ai pas besoin. Mais non, non, en fait j'étais encore sur l'encolure. Donc voilà. Je les ai retrouvées, j'ai pu faire mon échantillon, j'ai lavé, je trouve que la laine elle a légèrement un petit peu gonflé, au... elle me paraissait fine quand je l'ai tricotée mais elle a, elle a gonflé après le lavage, euh, ça lui a vraiment fait du bien d'être lavé et tout donc je suis... maintenant j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur un ouvrage complet. J'ai avancé un petit peu sur mes chaussettes, pas énormément. Alors on m'a demandé de montrer l'intérieur de mon jacquard. Parce que moi je vous ai dit, hein, je suis assez souple du jacquard, j'ai pas de problème avec ça. En fait euh, je tricote avec un fil dans ma main droite, un fil dans la main gauche, et le fil qui est dans ma main gauche, euh, je, il est très lâche. Moi c'est pas... Je tricote pas à la continentale. Si je tricote avec un seul fil, je tricote avec le fil dans la main droite. Et donc le, celui de la main gauche, c'est pas naturel, et il s'est retrouvé à être assez... Euh, je suis fort lâche, donc j'apprends à être plus tendue pour avoir un jacquard quand même plus joli, plus régulier, déjà même avant le lavage. Et voilà ce que ça donne l'envers de mon jacquard. Et vous voyez, euh, non, j'ai de l'élasticité, il hein, n'y a, a pas de soucis. Ça passe, je pense que ça passe sans problème. Je n'ai pas essayé, hein, mais je me fais, franchement, je ne fais pas de souci. Au niveau des croisements de fils, je fais ce que préconise euh, Lissandre. Donc elle dit après. Faut croiser les fils, à par, les fils à partir de 6 mailles. Donc, en fait, moi, si j'ai 7 mailles, si j'ai 6 mailles, je croise pas. Si j'ai 6 mailles d'une couleur, euh, je croise pas. Par contre, si j'ai 7 mailles, je vais croiser. Je vais tricoter 3 mailles. Sur la quatrième maille, je vais croiser. Je vais retricoter 3 mailles. Et voilà. Et après, bon, bah, voilà. Une fois que, donc, à partir du moment que j'ai 7 mailles ou plus, je croise mes fils. En deçà de 7 mailles, euh, voilà. Jusqu'à 6 mailles, je, je laisse le fil passer. Pas plus parce que je veux pas non plus qu'il soit... Vous voyez là ça reste assez lâche quand même. Oh non c'est c'est le bout. Mais vous voyez là c'est quand même assez lâche. Il y a pas mal de. Il y a quelques mailles derrière. Je dois en avoir 4 ou 5. Et donc je voudrais pas non plus me coincer l'orteil à travers un fil en passant, en passant mon pied. Le but c'est de passer quand même facilement sans, sans avoir à se soucier de ça. Donc voilà, moi je croise tous les au-delà de 6 mailles. Et euh, j'ai pas. Mais après je le tricote lâche. Je le sais que je le tricote lâche le jacquard. Quand j'ai un fil dans le fil de ma main gauche, je suis lâche. Donc voilà, ça c'était pour l'intérieur de ma chaussette, le jacquard. Et je suis en train de faire le talon. J'ai fait l'arrière du talon, je suis contente. J'aime pas tricoter ça. Non, c'est pas quelque chose que j'aime tricoter, je trouve ça long. Ça casse le rythme de ma chaussette tout en rond, mais bon, c'est pas grave. Il faut bien le faire. Hop, j'avais coincé le fil à l'intérieur. J'ai tout défait, voilà. Et j'aime bien c'est qu'avec Lissandre à chaque fois, pour l'instant, je vois que j'ai fait un modèle d'elle, il y avait un, un nouveau talon. Donc là c'est un talon, vous voyez, renforcé à gousser, mais avec la particularité d'avoir la petite bande de points mousse. Et c'est quelque chose que moi je n'ai jamais fait. Je n'ai jamais réalisé la petite bande de points mousse de chaque côté. Donc je suis contente. Donc là je suis à la phase où il faut que je fasse l'arrondi en dessous là. Et ensuite je relève les mailles et je n'ai plus qu'à tricoter tout mon pied. Voilà pour mes chaussettes. Et le dernier rang court sur mes aiguilles, c'est le Snood pour Monsieur. Alors, à partir de ce niveau-là, j'avais un certain nombre de rangs à faire que j'ai enfin effectué. C'est bon, c'est devenu mon tricot voiture et tout. Hein. Je l'embarquais un petit peu partout, je me suis dit, il fallait que j'avance. Et j'ai commencé la partie où on intègre. J'ai commencé à intégrer le point mousse. Et là, vous allez peut-être mieux voir ce que, de quoi je vous parle depuis le début. Ou pas en fait. Donc là on a la zone de point mousse, vous voyez ça forme un triangle et en fait on... La zone de point mousse va s'agrandir au fur et à mesure. Je ne sais pas si vous le voyez bien, si on voit quand même. Hein. Vous voyez qu'il y a une texture différente à ce niveau-là. Donc là ça restera vraiment l'arrière du... du tricot, du snood. Euh, vraiment le devant c'est là où il y a le plus de brioche et petit à petit on va avoir le point mousse qui apparaît et ça va former un pic. Donc voilà, ça avance tranquillement, c'est bien, ça change. Il était temps de changer que de... J'adore faire la brioche, hein, mais là il était temps de changer un petit peu. Donc euh, bon, on a le point mousse, le voir euh, s'agrandir au fur et à mesure, c'est assez motivant, c'est chouette. Puis ça veut dire aussi que j'avance et que je m'approche de la fin. Même s'il y a un sacré morceau avant la fin. Parce que là, je fais le point mousse. Euh, Jusqu'à en fait ne plus avoir de brioche tout autour. Hein, ça, le point mousse vient grignoter, on va dire, la brioche. Et après, il y a encore, on adapte la hauteur, je pense, du, du col avec autant de rangs de points mousse qu'on le désire. Donc moi, je vais déjà faire en sorte qu'il n'y ait plus de brioche, qu'on ait la pointe, faire quelques rangs quand même. Et on va évaluer la hauteur du, du col, voir ce que mon chéri il veut, s'il veut plus long ou si ça sera suffisant. Mais voilà, ça avance. C'est super doux, super agréable à tricoter. J'aime beaucoup le rendu. Et donc à l'intérieur, c'est le coloris patronus. Et le point mousse côté intérieur, qu'est-ce que ça donne oh, ça rend pareil. Hein. Hop. Voilà ce que ça donne à ce niveau-là. Voilà, voilà pour mes avancées euh, pour aujourd'hui. Et je vais avoir emmêlé les fils encore une fois. Oui, j'ai passé tous les fils où il fallait pas. C'est pas grave. Euh, bah pour aujourd'hui rien de plus. J'ai pas l'impression d'avoir grand-chose à vous dire, mais bon c'est comme ça. Peut-être euh, le début du pull. Euh, soit je vais bien avancer sur le col, ou soit je vais démarrer le pull. Ce sera la surprise pour euh, la fin du vlog pour vendredi. se retrouve pour la fin de ce vlog. Aujourd'hui, je porte le top Emma, si je dis pas de bêtises, de Marguenet Marianne Munier. Donc voilà, c'est un petit top, un petit t-shirt simple, mais qui a cette très jolie épaule. J'aime énormément. Et de même, je pense qu'on commence par euh, tricoter les épaules, puis on vient relever les mailles pour faire le devant, le dos. C'est tout en jersey, hein, c'est vraiment simple. Mais ce petit détail-là aux épaules, j'aime énormément. Je l'avais tricoté dans des laines euh, que j'avais achetées chez Lily Neige et que j'éteins moi-même à l'avocat. Et ma foi, il vit quand même assez bien. Euh, J'en suis contente. Dans deux écheveaux, c'était passé. Et euh, ma foi, ça fait un bon petit top là pour euh, bah maintenant tout de suite, c'est franchement bien parce qu'on a encore vraiment euh, des euh, des températures euh, chaudes. Franchement, il fait franchement pas froid. Donc voilà pour ce que je portais. Je vais faire un point sur les, mes petits encours euh, en premier. Ensuite, je vous montre une commande que j'ai reçue de Garance et compagnie. Il s'agit de son club euh, mystère, on va dire du mois de septembre. Il y avait juste une image et on savait pas vraiment la couleur, euh, ce que ça allait vraiment rendre en écho et tout et je sais pas si tout le monde a reçu, je sais qu'elle a tout expédié en même temps. Mais voilà, je vais en parler après, comme ça, si vous l'avez commandé, vous l'avez pas encore reçu, vous voulez pas spoiler, il n'y a pas de souci. Et ensuite, le, tout le reste de la vidéo, ça sera Steven West, et derrière il y aura plus rien. Si jamais vous voulez vous arrêter avant, vous inquiétez pas, vous ne ratez rien du tout. Voilà pour le programme de la vidéo. Alors, on va faire la chaussette. Donc ma petite chaussette, fais-moi peur de Lisandro Je J'ai pas énormément avancé. Je vous montre. Je vous l'ai dit, je la garde en fait surtout pour ce week-end, on a un week-end chargé. Il n'y aura pas beaucoup de tricot mais c'est comme ça. Euh, donc, je la garde pour ce week-end. Je vous avais quitté. J'avais juste fait le talon, le, la partie renforcée là, avec le petit point mousse. Donc, j'ai fait l'arrondi. J'ai commencé à faire les diminutions du gousset. Donc, bon bah, là, je suis encore dans les diminutions. Je faire mes diminutions, ferme mon pied, une pointe classique. Euh, voilà. Je pense que je vais reprendre la peut-être du noir pour faire la pointe. Ça me paraît peut-être bien. Voilà. J'aime beaucoup le violet, il a des nuances. Ça fait très joli. Oh, je suis vraiment contente d'Hélène de Pauline de Bibles Bizarre. Le kit manoir hanté, ça rend super bien. J'utilise un petit contraint de chez Mademoiselle Pluche avec mon initial. Là pour ses cha les chaussettes, il est franchement top. J'aime beaucoup. Voilà pour euh, bah, le, la chaussette. Pas une grande, grande avancée. Bon, vous allez voir, il n'y a pas des grandes, grandes avancées sur ce que j'ai à vous montrer. Après, on a le de le col pour mon chéri. Hop, oh, je vous montre. Alors ah non, non, j'avais mis, je sais pas, énormément. J'ai pas avancé beaucoup. J'en étais là. J'avais ai... décalé mon petit marqueur de chez Apollonie. Ça doit être la fleur de ce mois-ci. Il me semble si je ne dis pas. Non, c'était la fleur du mois de septembre. Mais On n'a pas encore reçu celle du mois d'octobre. Bon, ça doit être ça. Bon, bref, la dernière fleur d'Apollonie reçue. J'en étais là quand je vous l'ai montré mercredi. J'ai tricoté quelques rangs, mais pas pas énorme quoi. Il y a pas forcément. On arrive en fin de semaine. On a eu un nouvel indice de chez Steven West. Donc euh, ça, ça a été un petit peu moins tricoté. Et puis vous allez voir, j'ai commencé euh, le test pour euh, Laetitia aussi. Donc c'est pour ça que mon col, je vous l'avais dit, soit je commençais le test, ou soit mon col, il allait bien avancer. Ben voilà, le choix. Vous avez trouvé, vous avez compris mon choix. Donc on a la partie là en point mousse hein, qui se dessine de plus en plus, qui s'agrandit au fur et à mesure. Donc c'est assez logique, c'est toujours au même rythme qu'on transforme la brioche en point mousse, c'est pas compliqué, ça se fait bien. Non c'est vraiment très sympa à tricoter, j'aime bien. J'aime bien le rendu. Vous voyez, alors par contre, je vous avais dit là ma, ma séparation, euh, mon change, mon début de rang entre dans la brioche, c'est pas terrible. Après là dans le point mousse, ça se resserre complètement, ça fera propre, je suis contente. Et côté intérieur, ça donne ça. Ah bah là, vous voyez. Ah bah vous voyez bien extérieur, intérieur. C'est super joli, hein j'aime beaucoup. Puis c'est très moelleux, c'est super doux. J'aurais presque envie de lui, de lui piquer, mais j'aime vraiment pas euh, enfiler quelque chose sur ma tête. Donc bon, bah ça, ça va poursuivre son rythme euh, tranquillement. Il faut quand même que je m'en inquiète, on est à un mois du chti bazar. J'ai ça à faire et son bonnet. Je pense qu'il va vraiment falloir qu'à un moment je mette un petit coup là-dessus. Euh, allez hop, je me dise, je tricote ça et je le termine. Histoire de que ça traîne pas trop en longueur. Parce que ça fait quand même déjà deux semaines que je vous le montre pour un col. Euh, je ne vais vraiment pas vite dessus. Et enfin, le dernier en cours que je vous montre. Donc je ne vous avais encore rien montré à part mon échantillon. Donc il s'agit du test pour le pull Coffee de. Même les anges tricotent, tout est emmêlé. J'ai commencé à tricoter les, j'ai tricoté les deux épaules. Hop, alors que je vous montre. Voilà l'épaule. Donc ça sera vraiment la partie euh, là au dessus en fait. Vous voyez comme mon top, c'est un peu, euh, c'est cette partie là. Donc on va avoir une épaule euh, tout en dentelle et si je dis pas de bêtises, la dentelle ça va se poursuivre sur le long de la manche. Et là voilà, j'ai fait mes deux, mes deux, mes deux épaules droite et gauche. Le motif est vraiment très simple. On se repère bien. Si on fait une erreur, on s'en rend, rend vite compte parce qu'on le motif est décalé. Elle conseille, euh, elle pro, elle, ah oui, elle conseille de Laetitia conseille de laver, laver, bloquer ces petits morceaux là avant de poursuivre et de relever les mailles. Euh, on va devoir relever les mailles de chaque côté pour les devants, les dos. C'est super bien expliqué, il y a un schéma qui nous montre bien comment mettre, elle nous dit bien où mettre notre... comment positionner notre épaule pour relever les mailles, tout ça, donc franchement top. Donc je vais suivre son conseil, je vais les... Je vais d'abord les laver avant de relever les mailles. Donc je les ai mis tous sur des petits câbles, vous voyez, alors moi j'en utilise plein, hein, des Scooby-Doo, je me retrouve même à, à en manquer en ce moment. Euh, là il y a de ceux, ceux de chez Knitting Barber, ici c'est ceux de chez euh, Woolbags, Moi, je mets ça partout, là, je me suis dit que c'était parfait pour laver parce qu'au moins je suis sûre que ça n'est pas rouiller et tout, il faudra juste que ça sèche bien après parce qu'il y aura peut-être de l'eau dans le, dans le fil mais bon, ça ne sera pas problématique. Le fil est super agréable à tricoter, c'est très doux, j'aime beaucoup le rendu, ça rend bien les points donc je suis vraiment contente, je vois les légères nuances, euh, pff, bon, vous n'allez peut-être pas les voir à la caméra, vous verrez mieux je pense sur tout le corps. Mais voilà, donc là, l'objectif de ce week-end, ça, ça va être de les laver bloqués comme ça la semaine prochaine qu'on vous aurez euh, commencé le... On commence par le dos, je pense. Je sais pas. Euh, commencer quelque part, sur le pull. Voilà. Et ben, bah, en fait, c'est tout. Ah oui, bah oui. Bon, bah, c'est au niveau de mes encours que je vous montre là, dans cette partie-là de vlog. Il euh, n'y a rien de plus. Pas été euh, très productive euh, cette semaine, j'ai l'impression. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça, c'est pas grave. Euh, ça avance à son rythme, il n'y a rien. Je suis dans les temps pour tout, il n'y a rien, rien d'urgent. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai reçu donc, de chez Garance et Compagnie. C'était ce mood board là qu'on avait eu. Donc, une boîte aux lettres bleue, pas mal rouillée. Alors, je ne suis pas très bleue, mais le côté rouillé m'inspirait beaucoup. J'aimais énormément ce, ouais, ce côté rouille. Alors, bon, c'était un risque à prendre, peut-être qu'il y aurait eu beaucoup de bleu. Je vais vous montrer ce que ça donne le rendu. Alors je ne sais plus trop. Euh, il y avait plusieurs options. Et il y avait une option avec goodies et sans goodies. Et on commandait un écheveau. Je ne sais plus si c'était juste un écheveau tout seul ou avec deux mini ou un écheveau avec un mini et un écheveau avec deux mini. Je ne sais plus trop les possibilités qu'il y avait. Je sais qu'il y en avait deux. Que les. Franchement, c'était pas. C'était pas excessif. J'ai pas trouvé ça euh, trop cher. Euh, mais je, 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 je vous avoue que je ne sais plus trop les options qu'il y avait En tout cas moi j'ai pris, pris une option apparemment Avec un écheveau de mini et les goodies <laughs> Au niveau des goodies il y avait des petits bonbons euh, Qui, qui n'existent plus Et on a eu des petits embouts de tulipes Et je suis trop contente parce que je vous en ai déjà parlé J'en ai déjà acheté deux paires à ma petite mercerie Chez Justine, une tasse de filles d'aiguilles J'aime beaucoup, ils tiennent très très bien euh, sur le bout des aiguilles, même des fois j'ai du mal à les enlever. Donc euh, franchement j'en suis vraiment contente, ils tiennent super bien, ils sont très jolis. Donc je suis vraiment contente d'en avoir eu une paire en plus, ça va être vachement euh, utile. Donc j'aime bien, c'est un petit goodies mais euh, très utile euh, dans le tricot. Moi ça me fait, je suis vraiment contente. Et je vous montre euh, le kit à chaussettes que j'ai reçu. Oh, Regardez-moi cette merveille, j'adore, j'adore, j'adore. Alors si je vous remontre la petite carte. On est complètement dedans. Alors, voilà. Si je vous mets comme ça, <laughs> ça parle complètement. C'est trop trop beau. J'aime énormément. Ce n'est pas un. C'est un bleu. C'est un bleu vert. J'adore ce, cette couleur. Je suis vraiment fan. Avec des speckles euh, marron, noir, rouille. C'est super beau. Et là, on a toute la partie caramel rouille là. Oh, C'est trop trop beau. Et avec deux minis, un beige. Et un euh, qui est un peu plus clair que la couleur de les chevaux. Oh là là, j'adore. Franchement, euh, bravo, bravo à toi, Karine, pour euh, ce premier, euh, premier club surprise euh, mystère. Je suis vraiment contente, c'est super beau. Ah, c'est ça, il y avait le Madame Ginette ou le Mademoiselle Ginette en fonction euh, de ce qu'on prenait. Moi, j'ai pris Madame, l'option le, avec les deux mini. Je ne sais plus si Mademoiselle, il y a un mini ou il n'y en a pas du tout. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que le prochain club sera mis en vente courant novembre, il me semble. Mais voilà donc ce premier club, je suis vraiment contente d'avoir d'avoir osé prendre le bleu. J'adore, il est super beau, il est magnifique et c'est trop beau pour être dans des chaussettes. Franchement, <laughs> je je le vois pas du tout dans des chaussettes. Il faut que je le mette dans un châle parce que j'adore la couleur. Il faut que ça soit mis en avant. Il ne faut pas que ça soit dans mes bottes. C'est pas la peine. Ah j'adore, donc encore un grand bravo à toi. Donc de chez Garance et compagnie, Donc, c'est l'Alena Chaussette, le jeu du facteur c'était ça, le... en octobre, le jeu du facteur. Donc c'est euh, 75% mérinos, 25% nylon, 425 mètres pour 100 grammes et 2 minutes 20 grammes. Voilà. Et je me suis même dit qu'avec le... les chaussettes de tricot et stitch que j'ai reçues, Peut-être que dans un châle, les deux ensemble, ça serait pas mal à voir, à réfléchir. Pendant maintenant que je le ressors, je vois qu'il est, est plein de nuances. Je pensais qu'il était un peu moins nuancé. Ah, je vais voir. Mais peut-être que euh, les deux ensemble... Mm -hmm, je verrai. Ou je vais voir parce que Garance, elle vient euh, chez Justine une tasse de fil et d'aiguilles à la fin du mois d'octobre. J'irai peut-être avec mon kit parce que si jamais elle a un uni qui ressemble à ça, je le prendrai bien pour aller avec. Jamais si tu passes par là et que tu entends ma demande Voilà, aussi, on sait jamais <laughs> Ah ouais non franchement j'adore un gros coup de cœur Il faut ouais, je vais le mettre dans un gel, Parce que j'aime beaucoup 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 trop Voilà ça c'était pour la petite réception de la semaine Moi j'adore les surprises J'adore je... ouais, ça j'aime bien euh, Oui on peut être déçu hein, forcément mais bah, c'est le jeu moi j'aime bien prendre ce risque là et je suis rarement déçue donc euh, voilà le moodboard me plaisait je connais son travail j'ai déjà pu euh, voilà tricoter Céline et tout en plus c'est une personne vraiment très gentille donc euh, j'y suis allée en toute confiance et je ne regrette pas du tout donc maintenant place au Steven West. Je vais vous laisser avec la première partie de, de vidéo que j'ai tournée en début de semaine. Pour ceux qui veulent pas aller plus loin, bah je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et surtout un bon tricot. Et pour les autres, on se retrouve tout de suite. Quel début en fanfare de MCAL. Je pense... Ah, peut-être que vous ne le savez pas parce que... Non rien, vous n'êtes pas obligé de le savoir. Surtout si vous n'êtes pas sur Instagram. Il y a eu une polémique autour du début du premier indice de Stephen West de son châle de cette année. Alors je vais rentrer, je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite. Personnellement, j'ai choisi de poursuivre l'indice initial d'origine parce que j'aime beaucoup le rendu et que je ne vois pas, au premier abord, en fait, je n'ai pas vu du tout... Euh, le, le symbole qui est, qui est reproché dans cet indice-là. En fait, pour faire simple, euh, c'est pour moi une forme très géométrique. Et certains, et je, alors une fois qu'on qu me l'a dit, que j'ai vu des exemples de, que j'ai vu des, des, des versions de châle avec des couleurs bien foncées, j'ai trouvé que oui, effectivement, on pouvait imaginer voir une croix gammée au milieu de ce premier indice. Voilà. Moi personnellement quand j'ai été voir, parce que je vous l'avais dit, vu que mon choix de couleur au départ euh, ne permettait pas d'avoir des rayures bien distinctes, j'avais été voir la fin de la vidéo pour voir ce que ça donnait ce premier indice et moi je voyais pas, franchement j'ai pas vu de croix à l'intérieur. Moi je vais vous dire, moi ça me fait penser à un moulin avant euh, que les enfants là ont, sur un bâton là qu'on met dehors et qui souffle. Ça me fait penser à ça. Hein. <laughs> moi je suis dans un monde où je suis toujours avec des enfants en bas âge et tout. Moi ça m'a fait penser à un petit moulin avant. Voilà. Euh, J'ai vraiment pas vu ça c'est quand ça a été partagé un peu sur euh, je l'ai vu sur Instagram d'abord euh, des personnes qui ont partagé un peu ce sujet là parce que moi je suis pas du tout la conversation sur euh, Ravelry il y, y a un forum sur Ravelry pour en parler pour montrer ses avancées et tout mais moi ça je, je le fais pas du tout donc euh, j'avais pas, pas vu le problème euh, et puis après on a reçu donc un mail de Steven West parce que alors là je trouve ça mais incroyable il a été très réactif puisque dès le vendredi soir on avait un nouvel indice il a supprimé le premier indice si vous achetez le patron maintenant vous pouvez plus du tout avoir le premier indice le vendredi soir on avait une nouvelle version pour faire quelque chose où ça fait juste un, un carré qui fait des ça fait des rayures carrées en fait au centre c'est beaucoup moins fun à tricoter, mais bon, ça, ça permet de retrouver, il faut trouver un carré en fait, il faut que ce premier indice soit carré. Donc il a fait la démarche pour avoir le, ce fameux carré. Et euh, samedi on avait une vidéo tutoriel à nouveau. Un grand respect à Stephen West parce qu'il a été hyper réactif, il a su proposer une alternative, tout ça dans des délais vraiment courts et tout, donc euh, chapeau, parce que ce qu'il a fait, c'est franchement top. Mais voilà, moi personnellement, j'ai choisi de garder cet indice. Il y en a beaucoup d'entre vous qui sont venus m'en parler parce que, ben, on est un peu, comme on dit, le cul entre deux chaises. On ne sait pas trop, parce qu'il y a des gens qui, comme moi, aiment bien ce premier indice et n'y voient rien de mal à travers ça et qui n'ont pas envie de le défaire. bah ben, franchement, Berceau, euh, allez-y. Faites comme vous, ça vous semble bon. Moi, je fais mon tricot pour moi. Pas pour qu'il représente quelque chose que je vais exposer aux autres. Non, c'est pas. Je, à travers mon tricot, il n'y a pas de message. C'est juste. Euh, je tricote pour mon plaisir à moi. Moi je suis un, un tricot très égoïste, hein. je tricote pour moi parce que j'aime ça. J'aime jouer avec les couleurs, j'aime la laine et tout. Voilà, je tricote pour moi avant toute chose. Alors à la maison, on en a quand même discuté. Euh, donc sur quatre, sur quatre personnes qu'on est à la maison, il y en a, on est deux à voir le... la croix. Alors moi vraiment c'est parce qu'on m'a... Euh, finalement, j'étais influencée ce que les gens ils disaient, parce que les gens ils disaient, mais oui, on voit ça. Et à force, ben, on est conditionné. Oui, je finis par l'avoir. Axel, lui, il l'a deviné quand même plus vite que moi. Par contre, ben, euh, mon homme et Noah, ils cherchent encore après. Hein. Ils y arrivent pas, ils la voit pas, ils cherchent encore après. Donc voilà. Moi, personnellement, j'ai fait le choix de garder le premier indice tel qu'il est, sans vraiment rien modifier. Je n'ai pas changé mes couleurs, j'ai pas... Non, vraiment, je l'ai laissé tel qu'il est parce que je l'aime comme il est. Mais euh, je pense que de toute façon il s'est excusé, que c'était pas du tout dans son attention et euh, je, non je pense pas que Steven West ait eu une arrière-pensée et qui qu voulait euh, transmettre n'importe quel message à travers euh, ce motif-là. C'était pour moi quelque chose de vraiment très euh, géométrique, euh, un petit effet d'optique même, pourquoi pas, mais bref, rien de, moi j'y vois rien de mal et j'ai décidé de le laisser comme ça. Euh, après aussi on se disait ben il faut voir aussi ce que ça va donner tout le châle en entier. Euh, voir comment qu'est-ce que cette pièce là, où elle se situe, qu'est-ce qu'il va y avoir autour. Et puis une fois porté, il sera pas... ça sera pas choquant et tout. Bon après si vous faites votre châle euh, dans des couleurs noir, blanc et rouge, là oui ça pourrait être douteux. Mais clairement, euh, voilà. Fin de la parenthèse, je ne, revenais, je ne reviendrai plus sur ce sujet-là. Je, je fais le, le modèle tel qu'il est d'origine. Et, et puis voilà, parce que moi, ça me plaît à moi. Alors, je vous montre mes petites avancées du week-end. Euh, pou, 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 je vous avais quitté. J'avais fait ce triangle-là. Donc, j'ai avancé, j'ai fait le deuxième triangle. Vous voyez, en fait, on fait toujours la même chose. Là, j'en suis au troisième. Mon aiguille elle est coincée, ça ne vient pas. Euh, mon troisième qui n'est pas terminé, qui est en cours de tricot, et enfin bah, le dernier. Alors moi je me suis pas ruée dessus comme, euh, comme une tarée ou je sais pas quoi. Euh, le prochain indice arrive jeudi, je prends le temps. Moi je trouve ça super fun à tricoter, c'est super bien pensé, c'est chouette. Alors on, coûte, on coupe un milliard de fils, hein. euh, regardez-moi ça derrière. Alors Steven West dans sa vidéo, il expliquait comment on fait pour rentrer les films tout en tricotant. Alors moi j'utilise ma technique à moi qui n'est pas exactement la même que Steven West, mais bon c'est pas... Le résultat il est le même, hein. tous les fils sont rentrés, je couperai bien tout une fois qu'il sera fini, qu'il aura été lavé, tout ça. Pour l'instant je laisse comme ça. Mais euh, voilà donc le début de mon Steven West. Hein, pour rappel ici c'est la Trico et Stitch, son coloris rose des sables. Ici c'est Bulbe Bizarre, euh, c'est... Euh... Le coloris à la mèche et là c'est la laine de moutte, c'est le coloris Miss Lauriane et là c'est laine de moutte également, c'est Miss Framboise. Et moi chez moi il y a de la paillette, je sais pas si vous allez voir. En fait mon orange et mon violet et eh ben ils sont tous les deux de la paillette. C'est tous les deux. Ici c'est de la seina, ici c'est du lurex. Bon là vous le voyez pas du tout à l'écran mais moi je le vois, ça fait de la paillette. C'est rose, c'est mignon, franchement moi j'y vois rien de mal là-dedans, j'y vois rien de mal. Donc euh, voilà. Donc, bon, bah, l'objectif c'est de finir cet indice là avant jeudi, hein, quand même, et puis jeudi euh, les, le, ça sera de commencer l'épisode. L'indice numéro 2. Donc, euh, on va avoir un carré sur lesquels on a des mailles qui sont mises en attente. Alors, ça, on me l'a demandé, mais euh, je l'ai répondu à la personne sur YouTube, mais je vous le dis, vous voyez, j'ai utilisé les cordons là, c'est les fameux cordons le Scooby-Doo. Sur lequel on peut les mettre les, les, mettre les mettre les mailles en attente. Euh, voilà, ici c'est ceux de chez Mademoiselle Pluche et de chez euh, Knitting Barber. Donc on, a, on va voir, je crois bien. Je sais pas, j'ai pas lu le dernier. Peut-être que le dernier triangle on met pas en attente. Mais j'ai l'impression que voilà, on va avoir toutes les mailles de partout en attente. Donc on peut aller n'importe où, dans n'importe quel sens après. On ne sait pas. Euh, et voilà, je trouve que c'est. Euh... Bah, C'est fun de ne pas savoir en fait. Et euh, je suis curieuse de savoir la suite. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu des couleurs. Franchement, ça va être très joli, je pense. Bah, même si je ne sais pas ce que ça va être après. Hein, mais je suis vraiment contente de, mon... de mes couleurs. Voilà, voilà pour ce début de semaine. Oh, ça a été quelque chose hein, ce début de MCAL. MK... <laughs> enfin, voilà. Euh... Moi, je vais le poursuivre comme ça. Je vous en reparlerai vendredi du deuxième indice. On se retrouve. Ah, alors, nous sommes vendredi, on a eu le deuxième indice hier. Euh, quand j'ai été faire un petit tour sur Ravelry, je vois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont défait leur, euh, leur ouvrage parce que bah, ils trouvent que le, le nouvel premier indice, il est pas fun, c'est pas représentatif du, du travail de Steven West habituellement. Pas ce pas ce à quoi on s'attend quand on fait un châle de Steven West, surtout le MCAL. On Aime bien quand même avoir des choses très originales qui sortent euh, de l'ordinaire et c'est pas le cas avec euh, tout ce qui s'est passé. Il euh, y a eu pas mal de gens hein, quand même qui disaient qu'ils n'avaient pas vu de, de symboles haineux ou quoi que ce soit dans, dans ce modèle là, euh, même des personnages juifs hein, qui se sont manifestés et tout. Donc, en fait, j'ai pu voir quand même qu'il y avait pas mal de gens qui ont défait. Euh, moi, je fais le choix de je ne montrerai pas. Mon châle en entier sur euh, les réseaux sociaux, donc euh, pas du tout sur euh, Ravelry, pas sur Instagram, pas sur YouTube. Vous le verrez jamais en entier. Il y a que Christine avec qui je tricote mon châle qui aura la chance de le voir en entier parce que voilà, je, je fais le choix de. J'avoue que j'ai été vraiment, on y en a, j'ai beaucoup réfléchi parce que j'ai ce côté euh, où moi je vous partage beaucoup en vlog, je vous partage tous mes tricots. Est-ce que... Parce que voilà, ça aurait, cette polémique m'aurait posé aucun problème si en fait je tricotais chez moi et que je, je partageais pas du tout ma passion du tricot. Bon bah c'est pas le cas, je vous partage tout sur, euh, sur YouTube. Donc euh, voilà, c'est vrai que je suis un peu embêtée avec la situation, je sais pas trop quoi faire, je sais pas trop comment mes choix vont être pris, perçus. Bon bah c'est tout. Donc je fais le choix de pas vous montrer en entier mon chat, je vais vous continuer à vous montrer comme je peux la suite euh, bah, des indices, mais euh, sans jamais vous montrer euh, le châle en entier. Je regrette pas d'avoir gardé mon premier indice parce que personnellement je le trouve très joli comme ça, j'y vois pas cette fameuse croix. C'était assez rigolo à tricoter, c'était original, c'était sympa, un peu redondant parce qu'on le répétait quatre fois la même chose. Euh, mais quand là j'ai vu le deuxième indice, j'étais vraiment contente de ne pas avoir fait le nouvel indice euh, officiel parce que franchement euh, je crois que euh, ça m'aurait usé trop de rayures tu la rayure <laughs> là je suis quand même assez contente j'aime beaucoup le rendu quand j'ai commencé à tricoter je me suis dit oh, ça va être long à faire mais finalement je trouve que non ça va c'est un bon rythme je me je trouve ça assez sympa et j'aime beaucoup beaucoup le rendu alors que je vous montre ça hop voilà ce que j'ai commencé déjà à faire de, la... de du deuxième indice donc on reprenait à partir de là et vous voyez, en fait, c'est un jeu de rayures avec euh, des jetés, des œillets, je crois on dit, parce que c'est œillet en anglais. Bon, mon anglais est nul, hein. on va dire que ça doit être œillet en français. On a des rayures de points en vert, et puis on alterne, à... on alterne toujours que ces deux ces deux rayures là, mais après on joue aussi avec nos couleurs. Et là, j'aime beaucoup le rendu de mes couleurs. En fait, j'ai vraiment mes deux couleurs les plus claires dans les rayures à œillets, mes deux plus foncées. Euh... Dans les rayures à point mousse et j'aime beaucoup le rendu. Et en fait, on a fait ça sur, je vais vous montrer comme ça, sur la, sur deux côtés de notre carré central, vous voyez. Et on a une partie quand même, là quand je vais avoir mon carré, on a l'arête. Alors que je vous montre, je vais vous montrer comme ça. Euh, vous voyez, là j'ai un côté où je l'ai fait. Et ben, il y a un plat qui se forme à ce niveau-là. Et j'aurai la même chose de l'autre côté. Donc on va avoir un côté du carré qui va être plat et de l'autre côté du carré on a cette grande partie là qu'il appelle chevron bizarrement. Il nous dit que ce sont les sections chevron et je trouve ça assez... Euh... Enfin, moi je vois pas, je vois pas un chevron quand on a continué le tour de notre carré. Donc, euh... donc voilà c'est que des rayures. Alors là j'ai pas fini, hein. je dois encore faire 1, 2, 3, 4... Je dois faire 6 rayures avec des œillets, 6 rayures de point mousse. Donc vous voyez j'ai encore quelques rayures à faire de ce côté là avant d'avoir fini mais finalement ça se récolte bien, ce, on, re, on comprend vite le rythme, c'est toujours les mêmes rangs, il y a, on n'augmente pas le nombre de mailles ne change pas, donc c'est vraiment toujours la même chose, c'est vraiment pas compliqué. Et, euh, et j'aime beaucoup le rendu visuel. Je n'y ai pas cru au départ quand j'ai commencé les deux premières rayures. Je me suis dit, alors déjà d'une part, ça va être long et ennuyeux. Deux part j'aime pas. Moi, enfin, je trouvais pas ça fou. Finalement, une fois que j'en ai fait plusieurs, euh, j'aime beaucoup. Et alors, vous allez pas le voir. En fait, donc j'ai deux laines avec des paillettes. Euh, bah, les deux là qui ressortent bien. Mon violet et mon orange. Et euh, quand je tricote euh, le soir ou très tôt le matin et qu'il fait encore noir, on allume. Donc j'allume les lumières du salon et c'est des spots et ça fait illuminer. Euh, toute la Célina et la Lurex du châle et c'est mais trop beau. On voit super bien, c'est incroyable comme ça reflète bien la lumière euh, des paillettes et c'est magnifique. Euh, un vrai plaisir à tricoter à ce moment-là. Que ça soit mes écheveaux, on les voit super bien, ou que ça soit sur le châle, oh, ça brille de mille feux, c'est trop trop beau. Il faudrait toujours que je sois sous la lumière des spots. <laughs> enfin voilà. Donc euh, bon bah, je je poursuis euh, je poursuis mon truc. Voilà, là je me dis que mon objectif ça va être vraiment d'avancer, de, de bien avancer finalement sur cet indice là, de pas le. En fait, parce que cette semaine, comme j'ai avancé un peu sur ça, puis j'ai avancé un peu sur tout, j'ai l'impression d'avoir avancé sur rien. Donc là je me suis dit, je vais tricoter mon indice 1, moi 2, maintenant c'est l'indice 2, euh, je le tricote et après comme ça je pourrais me concentrer sur les autres ouvrages que j'ai. Au niveau des petits marqueurs, j'ai ressorti mes petits marqueurs d'Halloween parce que je trouvais qu'ils allaient super bien avec mon châle. Euh, ils doivent provenir de chez Mademoiselle Pluchy, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, ils sont complètement euh, dans le thème de mon châle. Et j'aime beaucoup le rendu de mes couleurs. Voilà, je vous le montre comme ça pour l'instant. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc euh, bon bah je vais poursuivre. J'aimerais bien hein, euh, ce soir terminer euh, cette euh, partie-là du châle pour ensuite euh, faire l'autre partie en symétrique de l'autre côté. Je sais pas trop, j'ai pas regardé. Je pense qu'on va laisser les mailles en attente de ces trucs-là. J'ai pas regardé, donc je peux pas vous dire. Après aussi, West, il est parfaitement capable de venir nous faire relever les mailles là parce qu'on fait une finition en I-cord. Mais l'an dernier, on a relevé plein de fois dans des iCord. Donc c'est tout à fait possible aussi qu'on vienne reprendre là sur le côté et on ne sait pas voilà bon, franchement c'est qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va après et ça c'est chouette mais voyez pour les gens qui ont fait euh, le premier carré de, voilà, hop, si je vous montre pas là voyez si je vous montre pas le centre du premier carré ça fait quand même beaucoup beaucoup de rayures mais ouais non c'est joli c'est joli c'est joli j'aime beaucoup ça prend déjà une belle ampleur euh, ouais je ne sais pas voyez en largeur j'ai déjà ça donc euh, ouais, ça va prendre l'ampleur, c'est assez grand tout ça, bon. Donc c'était pour mon châle de cette année, hop, et j'utilise les petits calcifères que j'ai eu l'an dernier dans les clubs Ghibli de chez Arco. Voilà, voilà, voilà. J'avoue que ce MKL est un peu pourri avec cette polémique, euh, l'ambiance n'est pas là, c'est un peu compliqué, les gens ils savent pas trop quoi faire, vous êtes encore nombreux à me demander... Qu'est-ce que j'ai fait parce que vous savez pas trop quoi faire, vous êtes un peu voilà, il y a beaucoup de gens qui sont mal à l'aise, c'est vraiment le mot. Ça a mis un malaise sur euh, sur ce cal Espérons que l'an prochain ça ira mieux. Moi bon, je pense qu'il fera pas deux fois la même erreur. Hein. On finit l'histoire d'un truc euh, qui pourrait plus ou moins ressembler à une croix. Je pense que c'est fini, ne prendra plus jamais jamais le risque de ça. Donc voilà, bah, j'espère quand même que ça vous aura plu de suivre un petit peu mon avancée sur le MCAL. Voilà, je suis repartie dans une bonne dynamique parce que je vous avoue que j'ai vraiment eu un moment le, le moral dans les chaussettes à pas, pas savoir quoi faire dû à ma position de podcasteuse. Enfin voilà, Non bah sur ce, j'espère quand même que cette vidéo globalement vous aura plu. Je sais pas, c'était un peu brouillon, c'est un peu. Voilà, ça sera comme ça sera et puis c'est tout. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez et surtout un bon tricot et je vous dis à bientôt. Bye